La parole est à Arnaud Viella. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure. Vous constatez que nous sommes nombreux de ce côté-ci de l'hémicycle présents ce soir pour euh, ce débat sur la chasse et nombreux aussi, et nombreux aussi euh, à nous exprimer sur ce premier article. Moi je voudrais euh, je voudrais simplement revenir quelques mois en arrière. Quelques mois en arrière, il y avait beaucoup d'inquiétudes qui s'exprimaient dans le monde de la chasse. Sur son devenir et ses inquiétudes ont fait l'objet d'échanges et de discussions et d'accords, euh, nous le savons aussi, entre le président de la République et euh, le président de la Fédération nationale. Il n'en demeure pas moins que peu de temps après, il y avait également ici un débat sur l'agriculture et qu'on s'est rendu compte, Madame la rapporteure, qu'il était très malsain d'opposer agriculture et biodiversité, agriculture et environnement, et je pense qu'on fait tous tous les efforts possibles pour ne pas le faire. Donc ce qui est posé ici ce soir, c'est la pérennité de cette volonté de concorde entre les différents utilisateurs et les différents gardiens de nos espaces et de nos espèces, et il est vrai... Que de plus en plus, quand on parcourt les assemblées générales de chasseurs, on se rend compte du niveau de conscience que les chasseurs ont du rôle qu'ils jouent dans la préservation de la biodiversité et dans la gestion synergétique, et donc des raisons pour lesquelles ils s'adonnent à ce qui est aussi une passion. Et moi, je trouve particulièrement dommage qu'au moment où nous gravons dans le marbre une modification de ces structures, il n'y ait pas dans, dans leur appellation le terme de chasse. Parce qu'effectivement, les paroles restent, euh, passent et seuls les écrits restent, et donc on aura à regretter cela dans le futur. Et évidemment, s'en suivront euh, dans, les, dans les débats que nous aurons plus tard, les questions de gouvernance et de moyens, qui, elles aussi, nécessitent d'être claires maintenant pour ne pas susciter ensuite des tensions dont personne ne veut. Je vous remercie. Madame la ministre et avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire que je partage le point de vue que le nom ou la dénomination est importante. Qu'au-delà du symbole, c'est l'identité de l'établissement, c'est son ambition dont nous parlons. Et donc, je trouve normal et légitime d'y passer du temps et d'en discuter parce que ça me paraît un point fondamental. Je voudrais dire aussi que je suis heureuse d'entendre que. Le même député qui nous a expliqué tout à l'heure que le texte n'était pas mûr et devait repartir en commission nous dit maintenant qu'il n'est peut-être pas impossible qu'on le vote à une très large majorité et je m'en réjouis, ce qui veut dire que ce texte est peut-être en état d'être adopté. Je voudrais, pour, pour, pour vous donner le point de vue du gouvernement sur ce point, dire que la parole des agents, à mon avis, n'est pas à négliger et je vais vous expliquer pourquoi, au-delà de la question. Évidente de savoir que les agents de cet établissement qui vivent quotidiennement au service de cet établissement sont importants. Quand on parle de ces établissements, on leur donne un nom et un sigle. On les appelle AFB et ONCFS. Et je crois que tous ceux qui travaillent à l'ONCFS, pour l'ONCFS, avec l'ONCFS, parlent de l'Office. Au quotidien, dans les relations que vous avez les uns et les autres, que les fédérations départementales ont avec cet office, avec cet établissement, l'ONCFS c'est l'office. Et donc nous dire le mot office c'est pas important, ça n'est pas vrai. Très probablement cet établissement, ça sera de nouveau l'office. Et donc si fusion absorption il doit y avoir, c'est l'office national de la chasse et de la faune sauvage qui va absorber. L'Agence française de la biodiversité et pas l'inverse. Si, si, c'est tout à fait sérieux, les mots ont un sens et au quotidien, l'interlocuteur, c'est l'office. Monsieur Fasquel, s'il vous plaît, je, je vous crois remercie que vous vous ont écouté de l'attention avec laquelle vous m'écoutez. La je voudrais continuer en disant qu'il me paraît important de ne pas confondre l'objectif que nous nous donnons. Et les acteurs qui concourent à cet objectif. Il me semble que nous sommes réunis ce soir avec comme objectif de préserver, de développer la biodiversité en France, en métropole, dans l'Hexagone, dans les Outre-mer, pour préserver cette biodiversité, pour la développer et pour ne pas opposer la nature et l'homme. Et je crois que l'un des grands progrès qui a été fait dans la période précédente et je voudrais m'inscrire dans cette continuité, c'est d'avoir imposé ce concept complet, inclusif de biodiversité, qui donne la part dans les milieux à la fois à la partie naturelle et à l'intervention humaine qui y concourt. Oui, les chasseurs sont des acteurs très importants de cette biodiversité la chasse n'est pas un mot tabou. Elle est présente à de nombreux endroits dans ce texte. Ce texte a été préparé avec des discussions avec toutes les parties prenantes, dont les chasseurs bien sûr, mais les chasseurs ne sont pas les seuls à être des acteurs de la biodiversité. Les agriculteurs sont des acteurs de la biodiversité, les acteurs des parcs naturels et des espaces protégés sont des acteurs de la biodiversité. L'eau, les biotopes dont vous avez parlé sont des éléments essentiels à préserver, à protéger au service de cette biodiversité. Je souhaite donc qu'on en reste à l'objectif. Il me semble que cet objectif nous réunit développer et préserver la biodiversité dans toutes ses composantes. Les chasseurs sont des acteurs de cette biodiversité. J'ai bien écouté les prises de parole des différents députés qui se sont exprimés. Monsieur Sadie a dit il est important de mentionner la biodiversité d'un côté et la chasse. Il s'est arrêté juste avant de dire de l'autre. Parce que dès qu'on accole les deux, c'est l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Je vous ai entendu dire que les chasseurs sont des acteurs de la préservation de la biodiversité. C'est bien de ça dont il s'agit. Les chasseurs, comme les autres, sont des acteurs importants au service de la biodiversité. C'est l'objectif de cet établissement. Et donc, le gouvernement maintient son choix d'Office français de la biodiversité et donc défavorable à ces amendements. Monsieur Viala, vous avez souhaité intervenir. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier Madame la Ministre de cette prise en compte de nos positions, même si les amendements ne seront pas votés, naturellement, puisque vous le renvoyez au champ réglementaire. Simplement, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire à Madame le Rapporteur que, au-delà de la complexité administrative qu'elle craint euh, quant à la double tutelle, il y a quand même un sujet politique de fond, parce que comment peut-on imaginer que le ministère de l'Agriculture dont par ailleurs le périmètre a largement été écorné successivement, pas uniquement par vous, par ce gouvernement, mais par les précédents aussi, au profit parfois de l'environnement, parfois d'autres. Mais comment peut-on imaginer que ce ministère-là ne soit pas en tutelle sur un office de la biodiversité S y a une... mais, et, alors, et alors à ce moment-là, effectivement, on peut aller plus loin, mais mettez cet office sous la tutelle du Premier ministre. Comme ça, sa gestion se fait en interministériel. Et ça rejoint par ailleurs une préoccupation que vous avez sur l'affichage d'une volonté très forte en matière d'écologie et de biodiversité. Et on hisse le débat un cran plus haut. Ça serait la seule chose qui serait acceptable si l'agriculture ne devait pas avoir une tutelle sur cet office. Mais on ne pourrait pas imaginer que l'agriculture ne soit pas partie prenante de la définition stratégique des orientations de nos fils tels que celui-ci parce que quand même qui à part nos agriculteurs sont sur le plan humain les gardiens de 95 de notre espace naturel espace naturel avec les espèces qui y vivent dessus qui ben personne